Ce forum, c'est un forum sur le thème de l'égalité des chances. Et vous avez tous votre chance. Voilà, bonne chance à tous. Lancement ce matin du 10e forum Job et Cité. Depuis 2006, ces job dating ont lieu tous les ans en partenariat avec l'OL. Et à l'occasion du 10e anniversaire, ils se tenaient pour la première fois au Grand Stade. L'objectif de Job et Cité est lui toujours le même, permettre à des personnes éloignées de l'emploi de s'insérer dans le monde du travail. Notre mode opératoire il est relativement simple, c'est d'aller chercher tous les jeunes qui sont en marge des dispositifs de droit commun. On essaie de les mettre en dynamique de mouvement et on les accompagne à venir sur nos événements, ce soit ici au stade, mais on a d'autres événements toute l'année. Le principe est simple, des entretiens de courte durée qui permettent surtout d'établir un premier contact entre recruteurs et candidats. On peut se présenter, on peut montrer qu'on est motivé et ça permet de se faire rappeler rapidement. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup c'est ouvert à tout le monde et on sait que de telle heure à telle heure, ils recherchent du monde et c'est plus accessible je pense. C'est des jeunes qui ne viennent pas facilement vers nos grandes entreprises, vers nos sièges. Ils peuvent être impressionnés, ils peuvent penser qu'ils n'ont pas les bons profils, qu'ils ne sauront pas faire et à nous de leur dire mais si, mais il n'y a aucun problème. Et on trouve vraiment chaque année des talents. La démarche est appuyée depuis sa première édition par l'OL Group qui devrait créer dans quelques mois au Grand Stade une cité des entreprises pour l'emploi. On a aujourd'hui 600 entreprises partenaires de l'Olympique Lyonnais, très certainement bientôt 1000 demain. Et l'idée, c'est de pouvoir fédérer ces 1000 entreprises autour des sujets liés à l'insertion professionnelle et l'emploi pour voir à leurs besoins en termes de recrutement. En 10 ans, les forums Job et Cité ont permis à 2000 personnes de décrocher un emploi.